Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans ce Bibliogrill. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Dodin. Lucie est directrice de la lecture publique à Pleine Commune. Pleine Commune, c'est ce vaste établissement public territorial qui regroupe 9 villes au nord de Paris et qui a la particularité d'avoir mis en place des kiosques un peu distributeurs de livres en libre service dans différents endroits du territoire où on peut évidemment emprunter des livres. Avant de donner la parole à Lucie, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait poser des questions dans le fil de discussion sur Facebook ou sur le site Baby Libro si c'est de là que vous nous écoutez, regardez. Bonjour Lucie, avant de parler spécifiquement de ce service, est-ce que tu peux présenter très rapidement le réseau ? Et ensuite, on veut tout savoir sur la naissance de ce projet d'un distributeur de livres, enfin d'un kiosque en libre service, les différentes étapes, peut-être les obstacles que tu as dû franchir, que vous avez dû franchir. Bonjour Lucie. Bonjour, bonjour Éléonore, bonjour à tous et toutes que je ne vois pas, mais que je sais derrière l'écran. Et avant de commencer, déjà merci à la BPI de m'avoir invitée à partager à travers ce Bibliogrill cette aventure que sont nos livres-services. Alors, pour présenter le réseau de Pleine Commune, peut-être juste quelques chiffres très rapidement. Pleine Commune, c'est un peu plus de 400 000 habitants dans 9 villes de la Seine-Saint-Denis. Et c'est 21 médiathèques, mais aussi des dessertes en hors les murs à travers nos outils bibliobus, etc. Et aussi nos livres-services, 4 déployés à ce jour. Alors, pour répondre à ta première question, Éléonore, comment est-ce que ce dispositif a démarré ? Alors, en fait, l'idée première, c'était le projet d'une médiathèque dans une gare. Ce projet qui, finalement, n'a pas abouti, mais qui a donné l'impulsion de départ. Et cette impulsion, elle s'est appuyée sur 3 idées phares. L'idée de disposer des livres sur le trajet des gens, que ces livres et ces personnes aient une autonomie d'utilisation pour que cette offre puisse se déployer en dehors du cadre horaire d'ouverture des médiathèques. Par exemple, le lundi, les médiathèques sont fermées. L'idée, c'était que les livres soient accessibles le lundi. Et enfin, troisième idée, une offre documentaire qui soit aussi récente qu'en médiathèque. C'était vraiment l'idée d'avoir la constitution d'une collection, une petite collection, et d'avoir ce qui est plébiscite, c'est-à-dire des nouveautés. Voilà, ça, c'était le point de départ. Et à partir de là, on a travaillé avec nos fournisseurs de RFID et aussi de logiciels métiers pour aboutir à un dispositif, celui que vous voyez sur l'écran ou que vous voyez aussi sur cette photo, qui a la particularité, au final, de ne pas se déployer à l'extérieur, sur la voie publique, et en intérieur, dans des établissements partenaires. Alors, pourquoi pas en extérieur, première question. Et puis ensuite, comment ça marche ? Enfin, peut-être que les deux, d'ailleurs, sont liés. Peut-être que oui. Ça marche mieux en intérieur qu'en extérieur. Pourquoi en intérieur ? Pour des raisons techniques, mais aussi parce que ça nous permet de travailler en partenariat. Pourquoi je parle de partenariat ? C'est que nous avons choisi pour déployer ces dispositifs
des lieux où les gens passent, des gens qui ne fréquentent pas forcément les médiathèques et où on pouvait les toucher, d'une part, mais où également le partenaire qui accueille ce dispositif peut opérer un premier accueil ou une première médiation. Ça, c'était l'idée globale. Et avant d'y arriver, là, la photo qu'on voit, c'est le dernier dispositif qui a été déployé cet automne dans un centre socio-culturel et sportif à Lille. On a dû surmonter un certain nombre, tu parlais de quels étaient ce n'est pas forcément un obstacle, mais on va dire les prérequis techniques qu'il fallait dépasser. Et notamment, quand on a commencé à y réfléchir autour de 2017-2018, il existait déjà des étagères intelligentes comme celles qu'on voit au milieu, ou qu'on voit mieux sur cette diapositive-là, mais il n'existait pas, pour faire fonctionner ces médiathèques intelligentes, de modules d'auto-inscription. C'est-à-dire qu'elles étaient déployées à des endroits où, pour que les gens puissent les utiliser, il fallait qu'ils aient par ailleurs une inscription à la médiathèque. Et donc, la première étape de notre travail, ça a été de travailler à ce que les gens puissent eux-mêmes, sans présence de bibliothécaire, s'auto-inscrire et ensuite utiliser immédiatement cette mini-bibliothèque. Et ça a fait partie de ce qui a beaucoup questionné les bibliothécaires au départ. C'est-à-dire, c'était complètement neuf pour nous d'imaginer qu'on n'allait pas forcément nous-mêmes vérifier et rentrer les données des personnes dans la base. Donc ça, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais ça montre l'écran que l'usager a à remplir pour obtenir une carte qui va servir à ouvrir la grande porte que l'on voit là et donner accès au Sésame, l'accès aux livres, puisque ce n'est pas vraiment un distributeur. C'est une petite bibliothèque, on peut manipuler les livres, il ne s'agit pas... de cocher un numéro et de faire tomber un livre. Oui, ça ressemble plus à un vrai service de bibliothèque. On s'approche de l'étagère, on feuillette et on choisit des livres. Alors, tu as parlé d'une phase de test. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phase de test et puis les autres? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que les gens se sont effectivement auto-inscrits ou est-ce qu'il a fallu leur tenir la main? Enfin, voilà, dis-nous comment ça a fonctionné. Le premier dispositif qu'on a déployé, que vous voyez sur la photo, on l'a fait dans un lieu bien particulier, qui est un lieu pas tout à fait public, qui est le siège de Pleine Commune, où travaillent donc des agents, à peu près 400 agents. Et, ça nous a permis de faire la mise au point et donc la collection de livres qui est présentée là va être adaptée à ce public particulier qui sont beaucoup de cadres qui passent tous les jours pour venir travailler, un peu moins souvent depuis que le télétravail s'est beaucoup développé, mais ils viennent régulièrement. Donc, effectivement, on a pu observer, outre la phase d'ajustement technique, qu'il y avait une phase d'appropriation, aussi bien par nous d'abord, parce que c'était le premier, mais aussi par les usagers. Et c'est ce qu'on voit ici sur un autre lieu. C'est tout à fait nécessaire d'être présent au début pour expliquer aux gens comment on se sert de cet outil, et y compris les accompagner parfois sur l'auto-inscription. Ça, c'est la première, on va dire que c'est le premier temps, faire en sorte que les usagers potentiels ou réels s'approprient l'outil. Ce qu'on a observé, c'est que ce qui nous posait question au départ, à savoir est-ce que des gens allaient se faire un nombre de cartes incroyables parce qu'il suffit de donner son numéro de téléphone. En fait, portable, c'est la seule vérification qu'on fait. Est-ce que vous allez se créer
20 cartes et dévaliser l'armoire, ne s'est pas produit. On a stabilisé un nombre de prêts de réguliers, on va dire, à l'année, mais avec un respect du nombre de livres autorisés, qui était de 2 au début, deux prêts autorisés au début, qu'on a monté à 4. Et voilà, on pourrait, je pense, avoir… Quatre pour combien de temps? Un mois, ça c'est comme en médiathèque. En fait, okay. À se rapprocher le plus possible de ce qui se pratique dans nos médiathèques, sachant que donner la possibilité d'emprunter 30 ouvrages d'un coup par rapport à la collection se trouve dans le kiosque qui est d'à peu près 200 livres, c'était trop important. Donc voilà. Et au contraire, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y a sur ces outils comme sur, on va dire, tout ce qu'on peut proposer en matière culturelle, une pratique à mettre en route et aussi à resolliciter par la suite. C'est-à-dire penser à revenir régulièrement, alors pour la partie permanence, technique, etc., mais aussi pour faire de l'événementiel et ressusciter l'intérêt des usagers. D'accord, donc la mise en route et la présence dans un lieu ne suffit pas. Donc, comment vous avez pensé les choses? Comment ça s'est... Qu'est-ce que vous faites pour le faire vivre? Qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit au démarrage ou que ce soit à d'autres moments, on vient, comme je le disais, pour les aspects techniques, mais aussi pour proposer d'autres actions autour du livre-service. Donc là, sur l'illustration, on voit par exemple, là c'était au lancement, à l'installation, l'inauguration d'un livre-service dans un centre socio-culturel, où on avait été avec notre autre outil du hors les murs, qu'on appelle le Mobilab, et qui permet d'avoir des ateliers avec, si on le souhaite, des imprimantes 3D ou différents types de machines. Là, en l'occurrence, ce jour-là, on était venu, puisqu'on lançait le livre-service, avec nos machines qui permettent de faire de la découpe vinyle et ensuite du flocage sur des sacs pour, avec les enfants qui étaient là ce jour-là, ou les adultes d'ailleurs, qu'ils puissent repartir avec un sac personnalisé à leur nom, prénom, etc., avec l'idée qu'ils reviennent avec ce sac pour utiliser le livre-service. Donc ça, c'est un exemple qui montre que justement la plus-value du bibliothécaire qui vient pour conseiller les livres qui sont dans le kiosque, mais aussi déployer des actions de médiation telles qu'on les déploie aujourd'hui dans les médiathèques lieux de vie, c'est important de le faire aussi, et c'est pour ça que c'est important d'être dans ces lieux partenaires. Et après, ça peut prendre d'autres formes. Par exemple, dans le hall du siège de Pleine Commune, on a pu venir pour susciter à nouveau l'intérêt, par exemple, à un mois de juin, avec spécifiquement des livres pour l'été, que ce soit des guides de voyage ou des romans de l'été, pour animer le hall de par notre présence et ressusciter l'intérêt. Et on voit vraiment, vous voyez vraiment la différence quand vous créez un événement? Il y a plus d'emprunts, il y a plus d'inscriptions, c'est net. Comment ça... Oui, bien sûr, c'est ce à quoi sert l'événementiel. Ça sert effectivement en soi l'atelier là qu'on voit à l'écran. Il a un intérêt en soi. Bien sûr. Tous nos intérêts, les ateliers qu'on fait de ce type-là pour sensibiliser. Par exemple, à ces nouveaux outils qu'on peut trouver en médiathèque, et aussi bien le livre-service que ces ateliers ont pour objectif d'être une offre en soi, mais aussi de donner envie d'avoir plus de livres ou plus d'ateliers dans les médiathèques. L'idée est bien d'y avoir un territoire, et à cette occasion,
de proposer également au public d'aller dans les médiathèques. Et là, on imagine très bien, enfin, en voyant ces images, que voilà, vous n'êtes pas dans votre médiathèque, vous êtes dans un autre lieu et qu'on peut imaginer que ce lieu, il n'a pas juste envie de vous ouvrir les portes et que vous installiez, que vous fassiez vivre les choses, mais que ça se, tout ça se travaille. Est-ce que, alors, puis ça, c'est un peu ma dernière question, mais ça, elle est arrivée aussi sur Facebook. Est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de ces partenaires qui y sont, comment se travaille le lien avec eux, comment eux, ils s'emparent de cette offre, parce que finalement, c'est leur offre à eux qui est augmentée par celle que vous faites. Tout à fait. Alors, ça va être très différent selon les lieux. Là, actuellement, les typologies de lieux, si je mets de côté le siège de pleine commune, on a une maison de l'emploi, une maison de quartier et deux centres socioculturels, dont un à venir à Villetaneuse. En complément de la nouvelle médiathèque qui s'ouvre et qui permettra, vu que la ville est très coupée par des coupures urbaines, permettra de faire du relais dans un des quartiers un peu plus éloignés de la médiathèque. Donc le travail avec les partenaires, pour répondre précisément à ta question, il va dépendre d'eux aussi. Je vais peut-être parler du centre social à Saint-Denis Romain Rolland, où on a fait tout un travail avec ce centre social pour y tenir des interventions régulières toutes les semaines. Les bibliothécaires viennent pour tenir des ateliers numériques, des temps de lecture, etc. Et dans lequel, du coup, dans le travail préalable avec eux, on a identifié que ce n'était pas forcément un kiosque dont ils avaient besoin, mais uniquement le casier de retrait de réservation. Donc, le choix dans ce lieu-là, ça a été de ne déployer que cette partie-là en fonction de ce qu'on a pu échanger avec le partenaire. Et du coup, pour le casier de retrait de réservation, comme là, il faut une inscription complète à la médiathèque et non pas seulement auto-inscription, c'est l'occasion de déployer des ateliers numériques qui se basent sur déjà tout simplement l'inscription à la médiathèque, à savoir l'inclusion numérique. On commence déjà, quand on est en médiathèque, par s'inscrire, se créer un compte, un mot de passe qui va avec ce compte, et apprendre à se servir du site internet des médiathèques et commander. Là, on voit par exemple à l'écran, c'est une copie d'écran de notre site internet où on voit qu'on peut commander, réserver un document pour le casier de réservation de l'île Saint-Denis, aussi bien que pour celui de Romain Rolland dont je viens de parler. Donc, tout ça passe par ensuite, évidemment, une convention qui est mise en place avec le site partenaire et qui vont être forcément très différentes d'un lieu à l'autre. Juste une petite question, c'est le site qui vous sollicite, c'est les médiathèques qui sollicitent les sites, est-ce qu'il y a un modèle, comment ça s'est fait? Non, ça c'est toujours nous qui avons sollicité les partenaires, et ça se noue ce travail de partenariat dans le cadre du travail partenarial beaucoup plus généraliste, j'ai envie de dire, qu'on mène entre les médiathèques et les services municipaux ou tout autre service associatif, etc., avec lequel on travaille au sein des villes de pleine commune. Ça n'a pas fait tache d'huile, un centre social qui a dit « Waouh, ça change notre rapport aux usagers, à la bibliothèque ». Le calendrier, parce que en fait, donc la phase d'expérimentation 2017-2018, la première mise en place, c'est plutôt, ah oui, parce qu'en plus il y a eu la chose. Donc quand est-ce que le premier kiosque a ouvert? En fait, c'est assez récent tout ça.
Alors, oui, tout ça est assez récent. On a eu un dispositif qui a été installé de manière transitoire pendant les travaux de la médiathèque de la Courneuve, dans le quartier des 4000, la médiathèque John Lennon, qui a été fermée pendant 2 ans suite à un incendie. Donc là, on a eu un dispositif qui a été installé là de manière transitoire, le temps de rénover la médiathèque. Et qu'on a ensuite déplacé, et il fait partie de ces 4 et bientôt 5 dispositifs aujourd'hui déployés. Donc, on a aussi eu cette façon de faire qui peut être temporairement, le temps qu'on rénove une médiathèque, d'avoir le dispositif. Ce qu'on a observé là, c'est que celui-ci, il n'était pas forcément très bien placé, très bien situé. D'accord. Que ce soit placé sur le trajet des gens. Et là, ça nous a permis d'identifier que ça, c'était vraiment très, très important. Alors, j'ai pas mal de questions qui arrivent, donc il faut que je te pose absolument. J'espère que si je dis hein, pour les gens qui nous suivent, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, si Lucie n'a pas le temps, par la suite, on élaborera des réponses qu'on postera dans le fil de discussion. Donc, une question un peu technique, un usager qui s'auto-inscrit sur le livre-service obtient une carte. Est-ce que cette carte est valable ensuite dans les médiathèques de pleine commune? Non, la carte est valable uniquement pour le kiosque, mais l'usager peut venir avec cette carte kiosque dans une médiathèque de pleine commune et peut demander à ce que cette carte soit transformée en inscription complète. Et du coup, à l'inverse, pardon, je t'ai coupé. Oui, à l'inverse, une carte de médiathèque faite, réalisée en médiathèque, va automatiquement être utilisable dans un dispositif livre-service. D'accord. Autre question. Est-ce que cette mise en place a modifié votre lien avec les usagers de la bibliothèque? Ça, c'est Toujours difficile difficile à de égaler. répondre à cette question-là de manière aussi générale, parce qu'en fait, c'est plutôt de nouveaux usagers qu'on a à travers cette desserte. Voilà, et on voit que le petit service qu'on offre en plus quand on a un dispositif qui se déploie, qui est, on le voit en bas à droite, la boîte de retour pour les documents empruntés dans d'autres médiathèques, ça, c'est très utilisé. Donc, on voit que les gens naviguent entre les lieux. C'est-à-dire que si vous empruntez un livre dans le kiosque, vous faites le retour dans le kiosque lui-même. Mais si vous avez emprunté un livre ou un DVD, peu importe, dans une autre médiathèque du réseau, pas dans le kiosque, vous pouvez, le jour où vous passez devant, utiliser la boîte de retour. Et ça, voilà, c'est ce qui nous permet de nous rendre compte que les gens circulent et effectivement profitent du fait de passer devant un livre-service. Alors, ce qui nous amène aux questions un peu plus RH, en fait, et puis de logistique, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer. Et donc, ça va permettre de poser les questions qui arrivent. Alors, combien de personnes sont chargées du livre-service en équivalent temps plein? Est-ce que c'est une mission transversale? Combien ça coûte finalement par site équipé d'un kiosque et personnel dédié? Est-ce que ça a été évalué, tout ça? Alors, ces dispositifs, comment dire, ça couple parlons d'abord des personnels, ça couple le travail de personnel qui travaille pour l'ensemble du réseau et de personnel qui travaille pour des médiathèques dans une ville plus précisément. Effectivement, quand je présente ces dispositifs à des professionnels qui viennent les voir parce que ça attire souvent la curiosité de différentes collectivités, j'attire toujours l'attention sur le fait qu'à une, ce qui a facilité le déploiement de ces dispositifs, c'est qu'on avait déjà une logistique à travers un service de navette qui transporte les livres réservés d'une médiathèque à une autre.
Effectivement, voilà, ça, ça ne rajoute, on va dire, qu'un point de navette supplémentaire. Par ailleurs, nous avons aussi un service mutualisé qui est la réserve de documents mutualisés, qui en fait est la 22e médiathèque du réseau, puisqu'aujourd'hui, on a 21 médiathèques dans le réseau. On en a une 22e qui n'est pas ouverte au public, c'est la réserve mutualisée, qui soit comprend des livres pour les collectivités, donc achetés, soit est alimentée par les livres désherbés dans les médiathèques et livres encore vivants, notamment ceux achetés en grand nombre d'exemplaires au moment de leur sortie. Et qui ensuite, une fois qu'ils suscitent moins d'intérêt, on en garde un ou deux exemplaires à la réserve mutualisée, dont les livres du kiosque. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 200 livres par kiosque et qu'on fait tourner régulièrement pour être sur cette question de nouveauté. Et donc, au bout d'un moment, bah, ils rejoignent cette réserve. Par ailleurs, il n'empêche que ce n'est pas qu'un travail comme ça au niveau du réseau, c'est aussi un travail avec les bibliothécaires qui travaillent dans la ville où est déployé le dispositif en question pour bah, venir faire les permanences dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'appropriation des outils ou venir faire de l'événementiel. Et c'est bien les bibliothécaires de la ville qui nouent le lien avec le partenaire. Parce que l'intérêt est que ensuite les usagers se rendent à la bibliothèque de la ville. Donc voilà, ça se joue à plusieurs. Et du coup, ce sont des petits bouts d'ETP qu'il est vrai, nous n'avons pas. Je ne peux pas vous dire, parce qu'en plus, ça n'a pas tellement de sens, ça dépend vraiment de la manière dont on va utiliser ces outils. Voilà, il faut bien se dire que ce ne sont que des outils. Et que la manière de les utiliser va dépendre du projet. Et alors, ce que tu viens de nous expliquer, moi, me suscite chez moi une petite question qui est pas très maligne, un peu Paul Doc. C'est-à-dire, est-ce que ces 200 livres, c'est les mêmes dans chaque kiosque ou est-ce qu'il y a une adaptation justement au lieu, au public et puis peut-être à la connaissance fine du public des bibliothécaires qui sont dans cette ville-là, sur ce territoire-là? Non, les collections sont différentes. D'accord. Au siège, on a mis des romans récents, des BD, quelques essais. Et par exemple, dans le centre socioculturel et sportif où il y a beaucoup d'enfants qui passent, il va y avoir des mangas. Et à la Maison de l'Emploi, des livres plutôt orientés justement recherche d'emploi, CV, etc., qui peuvent servir aussi bien au public qui vient à la Maison de l'Emploi qu'aux professionnels de la Maison de l'Emploi. Ouais, bien sûr. Et alors, quelqu'un voulait savoir si les usagers peuvent faire des suggestions. Et alors, j'imagine que si oui, on va vouloir savoir par quels moyens également. Oui, bien sûr, les usagers peuvent faire des suggestions bah, par le biais du site Internet, tout simplement, ou après directement auprès des bibliothécaires quand les bibliothécaires sont là au moment où ils viennent pour animer. Alors, un de nos collègues souhaite savoir si vous avez eu des problèmes de vandalisme avec ce nouveau dispositif, question qui nous laisse penser qu'effectivement, on peut se poser des questions autour de ce service, de Alors, confiance même en l'usager, de cette relation-là. ça c'est vraiment très intéressant parce que c'était la question qu'on se posait tous au point de départ et ça rejoint ce que j'ai dit au début. Pas du tout. Alors, sans doute parce que, comme je l'ai dit, le fait que ce soit en intérieur et non pas sur la voie publique, ça change beaucoup de choses. Mais aussi, il faut bien se dire que le livre, s'il suscite l'envie doit aussi être suscitée par la valeur ajoutée qu'apportent les bibliothécaires. Et donc, non, pas de vandalisme, au contraire, réactiver l'envie, toujours un besoin, et donc
La relation de confiance avec l'usager, finalement, elle a été confortée à travers. Ouais, ça, c'est très satisfaisant. Alors, on a un collègue qui réagit en disant que ça serait tellement intéressant en réseau rural où parfois les derniers kilomètres ne sont pas du tout assurés. Et plusieurs collègues voudraient savoir donc, qui est le prestataire qui a mis en place ces machines. J'en profite pour te demander si ça a été mis en place ailleurs à ta connaissance. Alors, nous, on a travaillé dans le cadre du marché RFID qu'on avait avec le prestataire qu'on avait, qui est en l'occurrence NEDAP. Mais ce n'est pas le prestataire de RFID seul qui peut nous permettre ce déploiement. C'est forcément aussi avec le prestataire de logiciel métier. Et en l'occurrence, à Pleine Commune, on utilise Smart, qui voilà, j'ai un mini trou sur le. Non, c'est parce qu'elle a changé, là très récemment, c'est pour ça. On pourra répondre aux dernières questions de toute façon via Facebook. Et puis, bien sûr. De toute façon, c'est vraiment les dernières questions. Je vais te laisser le mot de la fin avant de remercier mes collègues parce que l'heure s'est écoulée. Mais je promets qu'on. Enfin, voilà, nous promettons de répondre aux questions sur Facebook. Et Lucie, je te laisse peut-être un mot de conclusion. Oui, bah, peut-être redire que la façon dont on utilise cet outil, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment en lien avec notre projet d'établissement. C'est vraiment l'idée de mailler et continuer à mailler des villes avec non pas seulement des médiathèques, mais d'autres offres hors les murs qui se complètent les unes avec les autres. Et que bah, pour nous, ça a été un outil très utile dans ce cadre-là, mais d'autres, sans doute, pourraient utiliser dans d'autres contextes et pour en faire autre chose. Bon, je gage que vous allez à nouveau recevoir des visites de collègues pour aller voir ce dispositif maintenant après ce bibliogrill, enfin je l'espère. Merci beaucoup Lucie, nous avons dépassé le temps. Merci à l'équipe de la délégation, merci au soutien sans faille de l'équipe de la régie. À très bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.